Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur la belle prestation de l'ASV Club le week-end dernier. C'était le samedi 8 mars 2021. L'ASV Club qui a réussi à tenir en échec le tenant du titre de la Ligue des Champions africaine et le médaillé de bronze de la Coupe du Monde de club qui est Al Ahly d'Égypte, tout simplement le meilleur club africain et le club en tout cas le plus huppé, le club le plus populaire, Al Ahly qui rassemble un peu tout, 9 titres à son actif. Il n'y a aucun club qui l'égale ou même qui est juste derrière à quelques 2 ou 3 trophées, puisque les clubs qui sont derrière lui, c'est le tout puissant Mazembe Zamalek avec 5 titres. C'est dire le gros morceau qui était devant l'ASV Club. Mais si l'ASV Club a réussi à tenir en échec le grand Al Ahly et sur ses propres terrains en Égypte, au Caire, c'est grâce notamment à son dernier rempart qui est Simon Omosola, son gardien camerounais. Il a effectué un très très grand match qui n'a pas laissé indifférent en tout cas le public congolais qui a apprécié ce nouveau gardien de l'ASV Club qui vient pour la toute première saison à l'ASV Club, vient remplacer en tout cas Nelson Lukong, son compatriote camerounais qui faisait aussi un très grand travail. Et d'ailleurs, des Congolais se posaient la question pour savoir si Simon Omosola allait être à la hauteur de Nelson Lukong qui constitue effectivement le dernier rempart pour cette équipe de l'ASV Club. Il faut dire que le Cameroun ne cessera pas de nous étonner. En tout cas, le Cameroun nous donne toujours des très très grands gardiens en Afrique et ça ne date pas à d'aujourd'hui. Et justement, à propos de Simon Omosola, vous le savez, la CAN 2021 qui se jouera en 2022 va se jouer justement au Cameroun. C'est CAN Total Cameroun 2021. Et pour plusieurs observateurs, des journalistes congolais notamment, il pense que Simon Omosola, fort en tout cas de ses belles performances de ses dernières journées en Champions League africaine, mériterait en tout cas de faire partie de la liste des sélectionnés au niveau du Cameroun. Est-ce que l'entraîneur du Cameroun des Lions Indomptables va suivre ce conseil-là? Je n'en sais rien, mais je vous propose de suivre un extrait en tout cas d'une émission en République démocratique du Congo où des journalistes ont fait un très bon témoignage sur Simon Omosola, ou même on fait des recommandations aux Camerounais, ne pas négliger. Si vous ne voulez pas de Simon Omosola, laissez-le nous. La RDC a vivement besoin de gardiens. C'est l'un des compartiments qui nous font vraiment défaut ici en République démocratique du Congo. D'ailleurs, vous en êtes témoin parce que au championnat d'Afrique des Nations, c'est un gardien qui vous a permis de vous qualifier face à la RDC. Je vous propose de suivre donc cet extrait de quelques minutes. Ensuite, nous allons revenir pour faire notre petite analyse par rapport à ce jeune gardien de l'ASV Club, équipe de la République démocratique du Congo, dont Al Ahly, en tout cas, n'oubliera pas la performance le 6 mars dernier au Caire. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné. Et bien sûr, cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant ce court extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Le plus grand stade de football d'Égypte, qui accueille plus ou moins 100 000 spectateurs, c'est dans ces stades que l'équipe de l'ASV Club a freiné Al Ahly d'Égypte, une équipe qui porte sur le dos 9 titres de champion d'Afrique, et c'est l'équipe la plus populaire d'Égypte, l'équipe qui fait peur à tout le monde. Mais les Dauphins Noirs se sont très très bien comportés, et mention spéciale au gardien de but Omosola qui a été merveilleux. C'est un gardien de but camerounais, il est très très bon, mais je crois que si l'entraîneur camerounais a vraiment son carnet, il suit bien le joueur camerounais à l'extérieur, je pense qu'il a intérêt à sélectionner ses gardiens de but. Il est très 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 bon. Donc l'équipe de l'ASV Club s'est bien comportée en faisant match nul avec Al Ahly. Le club, pour ce match-là, il est à féliciter. Un mot sur les gardiens de but Omosola, les Camerounais, à mon avis, c'est l'homme du match. Non, ça c'est la haute classe. Il a prouvé que c'est un gardien africain qui mériterait plus
même le championnat. Et il est même, même la sélection, c'est les deux ben, je crois qu'il a prouvé qu'il est venu en République démocratique du Congo prouver que c'est un professionnel. Donc, généralement, les joueurs qui se déplacent pour la République démocratique du Congo n'ont pas la chance d'être sélectionnés dans l'équipe nationale du Cameroun. Il y a eu les cas de Lukong, de Kanga, et l'ancien attaquant de Vecler. Le Cameroun, généralement, c'est un pays des gardiens. Non, mais parce que Ekanga, qui a été récupéré par Mazembe, et a même fini par changer de nationalité. Il a joué pour la Guinée équatoriale. En tout cas, pour Homo Solo, je m'engage, je vais écrire aux confrères. Mais Abel et tout ça, on va les appeler. Ça, c'est un gardien. Dans le match qu'il a sorti hier, le sélectionneur, je crois qu'à condition de mauvaise foi, il a pris un gardien de haute classe. De part d'abord ses placements, exact, ses keeping et aussi les relances. Et c'est un gardien qui contribue sur le chemin tactique pour donc sauter les lignes, mettre en évidence les attaquants, notamment les joueurs comme Lille Pope, Victor Maïe, je crois que ça c'est la haute classe. Il m'a rappelé Tony Silva. Et il a même été pour moi le meilleur joueur de l'équipe de V-Club. Et c'est d'ailleurs lui qui a permis que V-Club se stabilise. Parce que s'il avait pris début, hein, par des ballons astucieux qui lui arrivaient, avec le ballet prendre le rôle de ballet. C'est aussi son rôle, parce qu'aujourd'hui, des grandes formations, vous devez commencer d'abord à construire votre équipe par avoir un gardien de but solide. Le dernier rempart. Voilà, il rassure la défense et c'est ce qu'il a. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là un journaliste aussi connu hein, dans notre pays, la République démocratique du Congo, François-Claude Kaboulo, Moana à Kaboulo, celui-là même qui commente la plupart des matchs des Léopards de la République démocratique du Congo ou des clubs congolais engagés en compétition africaine inter-club. Le nom du gardien de l'ASV Club, c'est bien Simon Omosola et non Omosolo, comme a eu à le répéter hein, François-Claude Kaboulo, une erreur certainement de sa part, puisqu'il avait aussi bien prononcé ce nom, Omosola. Et Kaboulo, prêt en tout cas à discuter avec ses confrères camerounais pour parler de Simon Omosola, sa belle prestation. Mais Kaboulo n'aura peut-être pas besoin de faire ça, parce qu'effectivement, Omosola Simon a confirmé contre Al Ahly sa belle performance. Déjà contre Al Merrikh du Soudan, c'était lors de cette belle victoire de l'ASV Club, 1-4. Avec, en donnant même une passe décisive à l'avant-centre avec Lubien Obed Mayamba, Omosola a été également le dernier rempart du côté de l'ASV Club, qui était acculé surtout dès l'entame de la première période et même dès l'entame de la deuxième période, mais avait eu évidemment avec un coup de chance aussi, parce qu'il faut que la chance accompagne aussi les joueurs hein, dans le football, c'est ainsi. Et Simon Omosola s'était déjà illustré par des une très belle prestation en tout cas contre Al Merrikh au niveau du Soudan. Et donc effectivement, Omosola a confirmé contre Al Ahly en maintenant le plus longtemps possible l'ASV Club dans le match, en tournant en ridicule même l'attaquant congolais de Al Ahly, l'avant-centre Walter Boalia, qui était tombé visiblement sur une muraille infranchissable, Simon Omosola. Mais François-Claude Kaboulo et les Congolais n'auront même pas à rappeler aux Camerounais les prestations de ce gardien, puisque les Camerounais le suivent déjà, parce que il figure même parmi les meilleurs Camerounais du week-end passé, hein, le week-end du 23 février au 1er mars. Hein, il est repris en tout cas dans l'équipe du week-end de tous les Camerounais évoluant dans le monde. Et Simon Omosola se retrouve bel et bien, et ça, c'est avant sa prestation magique hein, contre Al Ahly d'Égypte. Donc là, c'était déjà sur base de sa belle prestation au Soudan, Al Merrikh. Donc contre Al Ahly, il n'a fait que confirmé. Omosola est donc dans cette équipe type du Cameroun. Hein, pour le week-end du 23 février au 1er mars, on retrouve Omosola au bois. Et en défense, nous avons trois défenseurs. Hein, nous avons Castelletto de Nantes en France, Moukoudi de Saint-Etienne, toujours en France, et Niom de Retafe en Espagne. Et au milieu des terrains, cinq médiateurs. Hein, nous avons Eteki de Granada en France, et Onana de Moukron en Belgique.
Belgique, en Jupiler Pro League, Toko Ekambi de Lyon en France, et Lankel Z de Royal Antwerp, coéquipier de Mbokani et de Nid de Pau, des Congolais. Et bien sûr, nous avons également Tabikou de Royal Excel Moukron. Et en attaque, nous avons l'incontournable Choupo-Moting de Bayern Munich et Aboubakar de Besiktas, coéquipier de Fabrice Ntsakala. Donc voilà, Simon Omosola figure sur la liste des 11 meilleurs Camerounais et c'est le seul Camerounais qui évolue en Afrique et bien sûr en dehors du Cameroun, mais en République démocratique du Congo. C'est dire l'importance que les Camerounais accordent en tout cas à tous ses fils qui évoluent un peu partout dans le monde et même ceux qui évoluent en Afrique. Coup de chapeau à Omosola qui n'est pas oublié. Et d'ailleurs, dans un article publié par un média à camerounais, on disait qu'on se pose la question de savoir si Omosola est meilleur gardien camerounais actuellement. C'est une question qu'on se pose, confirmant également aussi que Choupo-Moting entre dans la danse en championnat et Yann Eteki surgit. Donc voilà, les Camerounais suivent de près en tout cas leur Lyon. Ils ne sont pas délaissés. Faut pas croire que nous allons en tout cas leur prendre leur gardien, parce que la République démocratique du Congo a un problème de gardien de but, on le sait. Depuis que les grands clubs de la RDC ont décidé en tout cas de s'expatrier, d'aller chercher des gardiens en dehors de la République démocratique du Congo, ça cause des problèmes. Vous avez dans l'AS V Club, il y avait Nelson Lukong et maintenant Simon Omosola, tous des Camerounais. Au niveau du tout puissant Mazembe, le gardien titulaire et adjoint, tous des étrangers, Sylvain Gbohou ainsi que Mukoro, ce sont des étrangers. Et au niveau de Darin Club Motema Pembe, vous avez Mouko Barel, un Congolais de Brazza, donc des étrangers, ce qui fait que ça met en difficulté quelque part la République démocratique du Congo dans ce comportement. Qu'est-ce que fait la Fédération Congolaise de Football Association justement face à ce danger pour donner envie aux jeunes d'être sérieux dans ce compartiment et de pratiquer le football en choisissant aussi le compartiment de gardien de but? On n'encourage pas et c'est aujourd'hui on sent qu'il y a une crise de ce côté-là. Heureusement pour l'équipe nationale, on peut recourir à des gardiens qui se sont expatriés. Il y a tel que Fayoulou, il y a Joël Kiasumwa, malheureusement pas titulaire, mais titulaire en équipe nationale. Donc voilà ce dont nous avions préparé pour vous par rapport à cette belle performance de Simon Omosola qui se retrouvera certainement aussi dans la deuxième semaine comme l'un des meilleurs Camerounais. C'est très clair parce que si V Club a eu à faire 2-2 contre le tenant du titre, c'est grâce essentiellement à Simon Omosola. Coup de chapeau à toi et vivement que tu puisses réitérer encore ces exploits-là le 16 mars prochain lors de la réception de Al Ahly pour le compte de la 4e journée de la phase des groupes de la Champions League africaine. Nous sommes là dans le groupe A. Je rappelle que l'ASV Club garde sa 2e place avec 4 points, même nombre de points que Al Ahly mais avec un meilleur goal différence. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un commentaire à nous laisser. N'hésitez pas. Dites-nous quel est votre point de vue, votre opinion par rapport à ce sujet. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci à vous. Vous êtes nombreux à suivre votre chaîne YouTube DMTV. Continuez à vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement, en tout cas, dans cette chaîne DMTV qui vous propose l'actualité sportive et d'autres actualités encore. Merci à vous pour cette confiance que vous ne cessez de nous témoigner. Nous espérons nous montrer dignes de votre confiance. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.